Bonjour, je m'appelle Sébastien Dominique, je suis chirurgien urologue à Paris. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est le PSA libre et ce qu'est le PSA total. Dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué quel était l'intérêt du rapport PSA libre sur PSA total dans l'interprétation de votre taux de PSA et dans l'aide au diagnostic pour savoir s'il y avait ou pas un risque de tumeur maligne prostatique. Plusieurs internautes ont posté des commentaires me disant que je n'avais pas expliqué ce qu'était le PSA libre et ce qu'était le PSA total. Au revisionnage, je me suis rendu compte qu'ils avaient parfaitement raison. Alors, le PSA, déjà, de base, c'est une enzyme produite quasi exclusivement par la prostate qui sert à liquéfier le sperme. L'intérêt de doser cette enzyme dans le sang, c'est que le taux de PSA est un reflet direct de l'activité de la prostate. Et donc, en cas de tumeur prostatique, il existe une hyperactivité de la prostate et le PSA augmente. C'est ça le rationnel. Cependant, tous les patients qui ont un PSA qui augmente n'ont pas obligatoirement un cancer de la prostate. Et donc, des fois, on cède d'une analyse un petit peu plus fine qui s'appelle le rapport PSA libre sur le PSA total. Alors le PSA total, il faut comprendre que ça va doser dans le sang à la fois le PSA qui est lié à des protéines, qu'on appelle le PSA complexé, et également le PSA libre. Donc quand on dose le PSA total, on dose toutes les formes de PSA. On couple à ce dosage du PSA total un dosage électif de la forme libre. Et si on connaît le taux de forme libre, le taux de PSA total, on connaît par simple déduction le taux de PSA complexé. Pourquoi c'est intéressant de faire cet affinage? Tout simplement parce que le PSA libre va augmenter surtout dans les hypertrophies non cancéreuses de la prostate, tandis que le PSA complexé va plutôt avoir tendance à augmenter dans les hypertrophies malignes de la prostate. Donc, pour cette raison, le PSA libre sur total peut permettre d'affiner l'analyse de votre taux de PSA. Merci de liker cette vidéo et de vous abonner afin d'avoir accès à plus de contenu. Merci.